Améliorer les conditions de vie des populations du district autonome d'Abidjan, c'est la mission que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a confiée il y a 4 ans à M. Robert Begré-Mambé. Mission qu'il s'attelle à mettre en œuvre en dépit de la conjoncture économique difficile. À l'image des années passées, 2014 a été une année riche en investissements dans divers secteurs. Le gouverneur n'annonçait-il pas les couleurs l'an dernier lors de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an? 2014 sera, comme l'a dit le chef de cabinet, de façon prémonitoire, une grande année, parce que la Côte d'Ivoire va se réveiller. Quand on dit se réveiller, c'est réveiller vraiment. Les projets qui étaient dans les tiroirs vont sortir. On va mettre en priorité tous les projets. Et je demande aux financiers de mettre en priorité les paiements des projets. Faisant sien l'adage selon lequel la route précède le développement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan a focalisé ses actions sur les infrastructures routières avec le lancement d'un important chantier. Celui de la construction de 109 km de voies principales reliant Abidjan Centre aux différents villages Atchan et Akié des sous-préfectures d'Anyama, de Sangon et de Bengerville. Ces travaux doivent s'achever dans 24 mois et permettront, une fois terminés, de désenclaver ces villages, mais surtout de faciliter et d'intensifier les échanges commerciaux avec la capitale économique ivoirienne. Parallèlement, des travaux de mise à niveau et de renforcement du réseau électrique, de l'adduction en eau potable et d'assainissement se poursuivent. Au final, ce sont 50 milliards de francs CFA qui sont ainsi investis en appui aux travaux d'Hercule engagés par le président de la République sur l'ensemble du territoire national en vue de mettre le pays sur les rails de l'émergence. Il en est de même pour le secteur éducatif qui bénéficie du renforcement des infrastructures scolaires dans le primaire, construction et réhabilitation de classes et logements de maîtres dans les villages. Coût total de cette opération, 3 milliards de francs CFA. Pour accompagner le gouvernement dans sa politique de logement, le district a signé des accords de partenariat avec des sociétés immobilières. Afin de réaliser ces programmes, des terrains ont été acquis pour être mis à la disposition des opérateurs. Abidjan, qui s'inscrit à l'instar des capitales modernes dans le schéma du développement durable, a obtenu des financements pour des études de faisabilité qui doivent déboucher sur la construction d'un éco-quartier à Marcory. Les services de l'abattoir municipal de Port-Boué, vieux de plusieurs décennies, se sont considérablement améliorés. Un véritable bond en avant avec l'achèvement de l'espace commercial de cet abattoir après le parc à bétail. Un site désormais propre, moderne, avec toutes les commodités, le tout dans un environnement sécurisé à la grande joie des commerçants et des clients. L'époque où les clients devaient patauger dans des eaux usées ou la boue jusqu'à 1 mètre de profondeur parfois relève désormais d'un lointain souvenir. N'est-ce pas, monsieur le Premier ministre? La volonté du gouvernement est de doter Abidjan et l'intérieur du pays d'abattoirs modernes, équipé avec les installations idoines et respectueuses des normes d'hygiène. La réhabilitation de l'abattoir de Port-Boué est un premier pas, mais un pas important pour la réalisation de cette grande vision du président de la République. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter M. le gouverneur pour les efforts consentis depuis qu'il est à la tête du district. En attendant l'achèvement de la salle d'abattage annoncée pour les mois à venir,
l'on peut se féliciter des importants investissements qui y ont été réalisés et qui donnent un autre visage à cet espace qui reçoit plusieurs centaines de personnes par jour. Conscient de la question de la lutte contre la pauvreté, due en partie aux graves crises enregistrées ces dernières années, le district a accru ses investissements en faveur des couches vulnérables. Des unités de production d'attiéké ont été gracieusement mises à la disposition des femmes à Songonk Assemblée et à Djamé Benjerville, celles des Bimpe, d'Anono et de Mputo étant en construction. L'implantation tout azimut de ces usines occupe sainement les femmes dans les villages et réduit la pénibilité du travail dans la production de ce mets très prisé des Ivoiriens. Cette initiative a d'ailleurs valu à Robert Begré-Mambé l'obtention d'un prix en octobre 2014 à Hyderabad en Inde lors du dernier congrès de Métropolis, une association qui regroupe les villes de plus d'un million d'habitants dans le monde. Une usine de transformation d'agrumes pour la production de concentrés de tomates et de jus de fruits a été acquise et est en cours d'achèvement à Songonk Assemblée. En plus de générer des emplois directs aux travailleurs de cette usine, une fois opérationnelle, le district a appuyé les femmes dans la production de la matière première. Et c'est dans ce cadre que des semences leur ont été remises pour plusieurs millions en présence de la première dame qui soutient entièrement cette opération qui va consister à long terme à réduire la pauvreté à Abidjan et banlieue, mais aussi et surtout sur l'ensemble du territoire national. Quant aux jeunes, leur insertion sociale est une réalité. La ferme piscicole d'Adjun dans la commune de Benjerville a été rachetée par le district. Objectif, la réhabiliter et la rendre opérationnelle en vue de la production industrielle de ressources halieutiques. 20 jeunes ont en outre vu leur projet retenu et financé sur les 1300 demandeurs, ce à hauteur de 200 millions, formation y compris, à l'issue d'un concours très sélectif dénommé Trial Hassan Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Un centre incubateur a été mis en place pour assister et accompagner ces jeunes. Ce centre, qui devra accueillir d'autres porteurs de projets, se constitue progressivement pour répondre aux normes. Et la ville de Paris, qui totalise une grande expérience en la matière, entend aider Abidjan à faire de ce centre une véritable pépinière d'entreprise. Côté santé, 2014 a été marqué par l'achèvement de l'hôpital de Kossiouan avec la remise officielle de l'édifice aux autorités en charge des questions de santé. En plus de l'eau de médicaments, ce centre médical qui se situe à la lisière de l'autoroute du Nord a bénéficié d'une ambulance flambant neuve qui pourra doublement servir les malades de Kossiouan et les accidentés de l'autoroute. Benjerville a également reçu plusieurs dons du district qui ne pouvaient pas rester insensibles devant l'affluence des patients suite à la fermeture pour réhabilitation des urgences du CHU de Cocody. Face à la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola, le district a décidé de prendre le taureau par les cornes. Plusieurs quartiers et villages ont été sillonnés pour sensibiliser les habitants contre cette maladie qui fait ravage en Guinée et au Libéria voisin. Des opérations de désinfection de domicile et de sensibilisation ont également été menées pour stopper la propagation du choléra dans certaines communes du district d'Abidjan. La question du sida a été au cœur des actions du premier magistrat d'Abidjan, qui, après avoir signé la déclaration de Paris, s'est aussitôt organisé pour accueillir les hauts dignitaires de l'ONU-SIDA à Abidjan en vue d'obtenir l'engagement des élus locaux dans la lutte contre la pandémie. Toujours dans le domaine de la santé, Nice, la capitale de la Côte d'Azur, a offert à Abidjan un lot de médicaments et dépêcher des professeurs de médecine pour dispenser des cours pratiques à nos étudiants néophytes en médecine à leur grande joie. Des accords ont également été conclus entre les unités de formation et de recherche de sciences médicales d'Abidjan et de Nice, puis entre les CHU de Cocody
et de Nice. Autre point important, c'est la sécurité et la protection civile qui ont aussi constitué un axe majeur dans la politique du district autonome d'Abidjan. Avec les inondations que la capitale économique a connues, les services des sapeurs-pompiers militaires ont été dotés de flotteurs pneumatiques. Deux sont pour le moment disponibles et d'autres sont en voie d'acquisition avec pour objectif de venir rapidement au secours des personnes en détresse tant dans les zones inondables d'Abidjan que dans la lagune ou en mer. Quatre camions pompe-tone et une ambulance médicalisée ont été acquis pour renforcer la capacité d'intervention des soldats du feu. Et pour rapprocher davantage les populations des centres de secours et d'urgence, des travaux de construction d'un centre de secours ont été lancés à Abobo pour un coût de 1,5 milliard de francs CFA. Abidjan perle des lagunes, Abidjan perle des lumières, mais aussi Abidjan cité verte. C'est une réalité avec ses parcs, ses jardins et surtout ses pépinières qui offrent des fleurs aussi diverses que variées aux usagers. Ces espaces bien entretenus sont reposants et permettent d'être en contact direct avec la nature et du mêlée frais, loin des pollutions occasionnées par les industries et les véhicules. Avec le projet de planting d'arbres dans les avenues et les rues, c'est sûr que les Abidjanais verront une nette amélioration de l'oxygénation et l'ombrage de la ville, gage de lutte contre la poussière, souvent facteur de nombreuses maladies. 2014, c'est aussi les nombreuses actions sociales au profit de tous, tant sur le territoire du district autonome d'Abidjan qu'en dehors. Chrétiens et musulmans ont bénéficié de l'appui du locataire de l'ex-hôtel de ville pour leur participation au pèlerinage à Lourdes, en France et à la Mecque. Les services de Robert Begré-Mambé ont été présents aux côtés de personnes victimes d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles. À cela, il faut ajouter l'appui financier, matériel ou logistique apporté aux institutions sociales comme les orphelinats, les pouponnières et autres centres d'accueil pour enfants ou personnes en difficulté. Pendant les fêtes de fin d'année, le partage a été aussi un point fort du district autonome d'Abidjan par la distribution de vivres aux villages Achan, Akié et aux couches défavorisées des 13 communes qui le composent. Sur le plan diplomatique, Abidjan a également répondu au grand rendez-vous pour réaffirmer son leadership et se repositionner dans le concert des grandes agglomérations. Plusieurs missions ont été effectuées à l'extérieur, souvent avec les chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, véritables complices du conseil du district dans ses travaux de développement. Ces missions ont permis de renforcer la présence du district autonome d'Abidjan au sein des instances dirigeantes de puissantes associations comme l'Association internationale des maires francophones, Métropolis, l'Association internationale des régions francophones, les cités et gouvernements locaux unis, les villes messagères de la paix, le Fonds mondial pour le développement des villes, pour lesquels le gouverneur Robert Begré-Mambé occupe de hauts postes. Le district autonome d'Abidjan a accueilli de gros investisseurs venus des quatre coins du monde. Plusieurs personnalités politiques de premier rang, parmi lesquelles le président français François Hollande, Ali Bongo Ondimba du Gabon, ont visité Abidjan, perle des lagunes, des lumières et cité verte. Le district autonome d'Abidjan a été présent dans le domaine des sports. Il s'est même doté d'une académie de basketball baptisée Eden El Jiré, désormais opérationnelle. Cette académie a même reçu la visite de stars américaines du basketball. Invité du gouverneur Robert Begré-Mambé sur les bords de la lagune Ébrié, l'ex-président de l'Olympique de Marseille,
Le franco-sénégalais Pape Diouf a partagé sa vision du développement du football africain avec un parterre de dirigeants de clubs et de centres de formation, d'entraîneurs et de journalistes. Les activités culturelles ont atteint leur paroxysme puisque Abidjan a participé de façon active à plusieurs événements parmi lesquels le marché des arts et du spectacle africain, un important rendez-vous culturel mondial ou encore la fête de la musique. Le concerto pour l'indépendance, qui avait un tant soit peu disparu, est réapparu en 2014 avec un spectacle haut en couleur qui a regroupé sur la même scène des célébrités nationales et internationales qui ont tenu le public en haleine. Ne suis pas ma parole dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé, t'es les sirènes. Mais quel envoûtement, je veux rien que pour moi. Un public qui, comme à l'accoutumée, s'est encore mobilisé autour de la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour apprécier l'illumination de la ville, suivie du spectacle des feux d'artifice. Et ce, pour être des témoins privilégiés de la naissance de 2015, une année qui annonce sans doute, vu les importants investissements réalisés, les prémices de l'émergence dont rêve le président de la République pour l'horizon 2020. En somme, les nombreuses actions réalisées au profit des populations est la conséquence de la bonne synergie d'action et l'esprit d'équipe insufflé par le gouverneur qui a su motiver les membres du conseil et les différentes directions à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exécution des tâches quotidiennes en vue d'offrir aux populations un bien-être. D'ailleurs, cette année, Robert Beugré-Mambé a encore œuvré dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses collaborateurs. Les directions ont été dotées de véhicules de service. Elles ont été également pourvues en matériel informatique et technique de pointe. Plusieurs restructurations ont été faites au plan administratif et ont permis la promotion de plusieurs jeunes, hommes et femmes, à d'importants postes de responsabilité. Alors, monsieur le gouverneur, à quoi les populations d'Abidjan doivent-elles s'attendre en 2015? Dans les zones rurales, nous serons heureux d'accomplir des projets que nous avons déjà identifiés en relation avec les chefs de village. Dans la zone urbaine, il s'agira pour nous de nous inscrire dans la politique du gouvernement tendant à offrir aux jeunes diplômés une plateforme pour réaliser leurs projets et faire émerger de surcroît l'auto-emploi. Parce que nous pensons que c'est une orientation qui porte le futur et qui garantit la consolidation du futur, l'auto-emploi. Et nous nous réjouissons de ce que l'expérience déjà engagée nous donne beaucoup de satisfaction et nous encourage à continuer dans ce sens. Au-delà de cela, nous envisageons de réaliser des projets du type social en renforçant les équipements dans les centres de santé
et en offrant aux Abidjanais, si Dieu le veut, un cadre de vie agréable. Sans dire davantage, sachez simplement que 2015 va consolider ce qui est déjà lancé, ouvrir de nouveaux horizons et offrir de nouvelles perspectives, tant en nature qu'en qualité et en intensité.